Detailing-concept.com, centre de préparation esthétique et la vente de produits professionnels. Donc là, nous sommes chez Eric Pinel. Il nous a confié comme mission le nettoyage et la restauration de ses sièges. Donc là, on peut voir, hein, c'est pas de la poussière. On a un sacré défi. Et là, tout simplement, on va prendre le detailing intérieur. On se dit à tout à l'heure. Detailing-concept.com. Detailing-concept.com, centre de préparation esthétique et la vente de produits professionnels. Nous sommes le 13 juillet 2016, nous allons faire une démonstration sur des sièges en cuir de Porsche. Malheureusement, on peut le voir, ils sont fortement encrassés, on va même dire abîmés. Le propriétaire de ces sièges avait fait un devis qui avoisinait entre 800 et 1000 euros concernant la rénovation de ces cuirs. Là, nous avons le detailing intérieur qui va permettre de nettoyer tout support des cuirs, des tissus, d'alcantara, moquette, plafonnier, un seul produit. Donc on va commencer la démonstration. La brosse va être importante et surtout prendre son temps. Donc la première chose que je vais faire, c'est de vaporiser le produit.
Donc maintenant, une fois qu'on a bien nettoyé notre sel en cuir avec le detailing intérieur, on va tout simplement hydrater le cuir avec le detailing crème cuir. On a vraiment un produit très efficace qui va permettre non seulement d'hydrater vos cuirs, mais de les protéger. C'est à faire absolument une fois tous les 3 semaines. Donc là, il ne faut pas hésiter de faire un deuxième passage. On a vraiment un cuir qui était vraiment très abîmé, hein, qui était à la limite de la restauration. Donc cette première couche va permettre au cuir de boire la crème cuir. Et la seconde passe va permettre de bien hydrater le cuir. Donc la crème cuir est idéale pour tout type de cuir. Si le cuir est brillant, il restera brillant. Si il est mat, il restera mat. Et ça fonctionne sur tout type de couleur de cuir, hein. Canapé en cuir, rouge, blanc, vert. Souvent on me pose souvent la question. Pour finir, je prends une deuxième microfibre pour lustrer. Donc on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche, tout simplement. Donc là, on a différentes personnes autour de moi qui sont ici en stage. On a Mohamed et Mouad, Florian et Geoffrey, de Suisse, de Dijon et de Lyon. Donc là, je vais terminer dans quelques secondes la rénovation des cuirs en espérant entendre leurs commentaires. Donc le détailing intérieur, la crème cuir, on laisse filmer et j'attends vos résultats maintenant oral. Résultat radical, efficace. Parfait. Pour toi, Geoffrey ? Très bon résultat et des bons produits. Voilà, on peut même s'en rapprocher doucement, Geoffrey, n'hésite pas. Donc on ne parle pas, hein, de l'usure du cuir, hein. On parle du nettoyage et de la préparation. Ces cuirs ont quand même quelques années. Donc le produit est utilisé, le detailing intérieur et le detailing crème cuir. Mouad, qu'est-ce que t'en penses?
rien à dire. Excellent. C'est maintenant qu'il faut le dire. Hein. Moi, je suis très sceptique. Hein. Quand il est venu ici, il faut le dire. C'est au moins important parce qu'il prend la Suisse. Concernant les produits, pour moi, il est très important de pouvoir faire cette vidéo. Et je préfère avoir des critiques constructives que rien du tout. Non, résultat impeccable. Il n'y a rien à dire. On le voit. Voilà, on constate. On constate. Voilà. Donc là, on est là, aussi avec Geoffrey. Hein. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Voilà, bonjour. Florian. En tous les cas, en espérant que la vidéo vous a plu, on se dit à très bientôt. Detailing-concept.com.